C'est un chantier colossal qui débute ici à Notre-Dame de Marienthal. La basilique datant du XIIIe siècle et fondée par l'ermite Albert de Haguenau avait bien besoin de retrouver ses couleurs d'antan. Abîmée par les guerres et le passage du temps, c'est le chœur qui est en première ligne des travaux. Lessivé du sol au plafond et remis en peinture, il a laissé apparaître quelques trésors architecturaux, notamment dans la voûte. La voûte, en fait, on a voulu la restituer comme elle était lors de la reconstruction de la basilique de Marienthal en 1865. On a retrouvé des traces de ce qu'elle était. Alors, ce n'est pas à l'identique, parce qu'on ne pourrait pas refaire toutes les décorations qu'il y avait à l'époque, mais au niveau de la voûte, on a voulu restituer le décor qu'il y avait en 1867, lorsque la basilique a été inaugurée, on dira les choses comme ça. Et donc c'était une voûte étoilée, et on l'a refait de la même manière, à la différence près que le bleu que nous découvrons aujourd'hui est un petit peu plus prononcé que le bleu de l'époque, parce qu'on l'a coordonné avec le bleu des vitraux actuels qui ont été refaits après la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve aussi des détails qu'on ne voyait plus et qu'on va pouvoir justement revoir. Des détails révélés par une entreprise alsacienne spécialisée qui mène cette rénovation monumentale depuis un mois. Hervé Eichwald et son équipe travaillent minutieusement avec pochoir, poncif et peinture dorée à plus de 15 mètres de haut. Autant dire qu'il ne faut pas avoir le vertige. D'abord, l'échafaudage a été monté, on a tout lessivé. Et puis, je vais vous dire que l'eau, c'était du café, quoi. C'était vraiment sale, quoi. Bon, c'est normal, avec toutes ces années, on a fait la préparation, le rebouchage. Puis, on a mis une couche de fixateur et puis deux couches de peinture minérale. Et les plafonds aussi, quoi. Bon, le plafond, ils sont juste en bleu, quoi. Le reste, c'est en blanc cassé. Et puis on a nettoyé les vitraux aussi, et après les étoiles. Alors on prend plaisir, quoi, déjà pour le faire, pour le réaliser. Et puis après, quand on voit quand c'est fini, quoi, c'est joli, on est content. C'est pas tout à fait fini, mais ici la semaine prochaine, ça sera joli, quoi, ça sera bien. Ce chantier nécessite un financement conséquent, c'est pourquoi l'opération Une étoile pour Marie a été lancée. Afin de soutenir les travaux, les donateurs pourront choisir une étoile et faire un don allant de 20 à 100 euros en l'adressant à la Maison des Pères de Marienthal. La première tranche du chantier devrait se terminer d'ici 2 semaines pour le dimanche des Rameaux.